Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Miss Lissius Play. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est toujours pas fait et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et bien sûr, n'hésite pas à liker cette vidéo pour me soutenir. Comme vous avez vu hier, j'ai eu enfin mes 4 pingouins, des golden pingouins, des pingouins dorés quoi, et j'ai envie de les transformer en des néons, comme notre chère et tendre Bella. Elle est juste trop cute, j'aime trop cette licorne, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il va y avoir une chaîne pour Bella, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous dirai s'il y aura une chaîne pour Bella ou pas. Vous voyez, j'ai déjà des golden fish, je vais en acheter d'autres, j'en suis sûre que j'en aurai besoin puisque vous êtes très nombreux à me faire une trade. Donc le sujet de la vidéo, c'est trader que des golden fish. Ok, donc c'est parti, on y va tout de suite sur un serveur public et je retrouve mes abonnés là-bas. Voilà, nous y sommes, il y a déjà une abonnée. Bon, je pense qu'elle est venue visiter ma maison. Moi, je vais me téléporter sur l'exposition des cadeaux. Me voilà ici, j'active les trades et c'est parti. Seulement des golden fish. Désolée, j'ai déjà un chouchou train. Autre chose à proposer? Non. Donc, désolée si je refuse, j'ai déjà ça. Désolée. Ensuite, toujours golden fish. Ah, ça, c'est super. Ça m'intéresse. Est-ce qu'elle va accepter? Ok, super. Trade successful. Oh my god, une licorne. J'adore les licornes. Est-ce que c'est bon ou pas? Non, désolé. Ah ça, j'ai pas. J'ai pas ce pet, le rat. Est-ce qu'elle va accepter cette personne contre deux golden fish? Alors, il y a des personnes, quand je suis sur un serveur public, sortent leur voiture de je sais pas où. Donc, je vais leur dire de rentrer à la maison, chez moi, comme ça, plus de voitures. Regardez-moi, ils sortent leur train. Je sais pas pourquoi ils font ça. Pour gâcher la vidéo peut-être, mais bon. Moi, j'ai encore une solution, rentrer à la maison. Ah, ça c'est super, mais je pense que cette personne va refuser, ce qui est tout à fait normal. Je comprends quand vous refusez, ça, il n'y a pas de souci. Mais moi aussi, s'il vous plaît, comprenez-moi quand je refuse. Alors, je décide de rentrer chez moi. Tu tournes, Miss? Oui, je suis en train de tourner. Ok, on rentre tous à la maison, car des personnes ne comprennent pas que je filme. Ils sont là toujours pour gâcher mes vidéos, mais c'est pas grave. Alors, j'ai déjà une grenouille, je vais accepter juste comme ça en fait. Quand j'ai des pets, franchement, j'ai pas envie d'avoir de double. Déjà, les faire grandir, c'est trop dur pour moi. Ça prend beaucoup de temps, mais bon. Alors toi aussi, je vais juste te donner, puisque j'ai déjà des pingouins, j'ai pas de problème de potion ride et fly. J'accepte. Oh, une licorne. Ah, elle a refusé la personne, c'est pas grave. Ensuite, on continue. Ah ça j'aime bien, j'ai pas en fait cette citrouille voiture. Ok. C'est pas mal mais désolé, j'ai déjà tout ça. Une licorne, est-ce que ça vaut ça ou pas? Légendaire, légendaire? Oui ou non? Désolé, je vais refuser. Ensuite. Encore des golden fish, beaucoup de golden fish. Ah, Shiba Inu, à votre avis? J'en ai tellement. J'en peux plus des Shiba Inu. Ok, on continue. Golden fish, toujours. Je n'ai pas le droit de trader quelque chose d'autre. Sauf si j'ai plus de golden fish, quoi. Mais là, le sujet... Non, désolé, je refuse. Ah, j'aimerais trop avoir la queen bee, quand même. Mais, ah là là, elle est en train de tout changer. Je refuse. Nouvelle trade. Golden fish, toujours. Une licorne. Ça m'intéresse. Est-ce qu'elle va accepter contre 3 golden fish? Je veux la licorne, j'ai déjà le Santa Slide. Désolée, je refuse. On continue. Alors, contre des golden fish. Des poissons dorés. J'ai déjà un dragon. Mais s'il est fuligrone, pourquoi pas? Ça m'intéresse. Voyons voir si cette personne accepte. Oui, vous voyez, il est déjà full grown. J'espère qu'il va accepter. Alors, moi j'accepte. J'attends, ça prend trop de temps. Ok, on y va, on passe à une autre trade. Toujours des golden fish. Qu'est-ce que nous allons avoir contre des golden fish? Non, je veux pas ça, j'ai déjà en fait. Je l'ai juste prêté à Princesse, mais j'ai déjà tout ça. Donc, désolé, on continue. Toujours des golden fish. Des accessoires. Non, désolé, j'ai déjà tous les accessoires pour pets. On continue. Alors, qu'allons-nous avoir? Alors, il y a des personnes qui montent sur ma tête. Franchement, je sais pas. Qu'est-ce qui vous prend? Personne n'est calme. Petit à petit, je pense que je vais être
très très rare dans un serveur public parce qu'il y a certaines personnes qui commencent vraiment à me déranger. Désolée, je vais refuser. En fait, ils gâchent la vidéo. Je viens dans un serveur juste pour vous. Mais si c'est juste pour faire ça, je pense que je vais arrêter de venir sur un serveur public. Car il y en a qui sortent leur train, d'autres qui montent sur ma tête. Et vous allez voir un qui aura carrément le carton sur ma tête. Je comprends pas en fait ça. Petit à petit, je vous dis, ce sera vraiment très rare pour moi d'être dans un serveur public. J'espère que vous allez comprendre. Donc s'il vous plaît, reculez. Ou soit je vais accepter juste quelques nombres. Comme ça au moins, je suis tranquille. Je pense que je vais faire ça. Je vais accepter quelques abonnés, ceux qui sont sympas bien sûr. Pour qu'ils puissent me rejoindre dans une vidéo. Voilà, voilà. Ok, successful, Shiba Inu, vous savez, les Shiba Inu, j'en ai un petit peu trop, désolé, je vais refuser, pareil. Ok, j'ai déjà un panda, on va dire que oui, on va accepter celle-ci. Ok, grad, successful. Ensuite, nouvelle trade, ah j'ai que une seule, la golden fish. J'ai déjà tout ça, je sais pas en fait, j'accepte ou pas. Allez, c'est fini, j'arrête avec les golden fish, j'ai déjà beaucoup, beaucoup dépensé dans les golden fish je pense, donc là c'est bon. Plus de trade, personne n'a le droit de faire de trade, vous voyez déjà le monde, dites-moi si vous me voyez. Parce que, oh my god quoi, je suis où? Me voici, donc j'essaye un petit peu de sortir d'ici, je vais rentrer. C'est terminé, mon rêve s'écroule, t'aimes pas tes abonnés. À votre avis, quand mes abonnés font ça, qu'est-ce que je devrais faire? Je me vois pas, j'essaye d'accepter le maximum de trades, mais bon, à la limite du raisonnable quand même, je pense. Miss, trade-moi ton fly ou ton ride. Non, désolé, il n'y a pas de pets gratuits dans cette vidéo, je ferai une vidéo où je vous donnerai des pets gratuits, mais pas celle-ci. Miss, accepte. En fait, j'accepte pas les demandes d'amis. Je répète dans toutes les vidéos, s'il vous plaît, je n'accepte plus les demandes d'amis. Vous voyez là, quelqu'un est monté sur ma tête, un bébé quoi, et regardez-moi. J'ai la solution, bah, drop the baby quoi. Alors voilà, vous voyez, ça devient vraiment très compliqué en ce moment avec tout ce monde. Certains veulent juste en fait gâcher la vidéo. Je peux vous dire que je connais votre technique, mais ne vous inquiétez pas, j'ai une solution. Toujours rester en mode privé. Je pense que ce sera bien pour tout le monde. Et je choisirai au hasard quelques personnes pour qu'ils puissent passer dans mes vidéos. Les chanceux, je leur accepterai en ami. Et ensuite, on ira en fait dans un serveur privé. Voilà, ça sera plus simple pour moi et pour vous. Alors voilà, c'est bon, je suis chez moi. Je vais récupérer des bucks. 8 bucks, super. Je sors mon Dragonfire. J'enlève ça, voilà, je rentre. Je suis en train en fait de faire grandir mes dragons pour les transformer en des néons. J'espère que ce sera pour aujourd'hui cette vidéo parce que j'aimerais trop avoir un dragon néon. J'ai déjà la licorne, maintenant c'est au tour de Fire. Monsieur Fire va peut-être se transformer en un néon. Vous voyez, j'ai aussi Sacha à transformer en un néon, ce qui va me prendre beaucoup beaucoup de temps. Ne vous inquiétez pas, je demande à Manny et à Princesse de m'aider de ce côté-là. Donc ça va pour l'instant, je m'en sors, je veux tous les transformer comme ma Bella. Ah, j'ai un King Bee lors d'un trade, ça c'est super. Voici d'autres pets, je pense que je vais tous les donner aux abonnés. Au hasard, hein, je choisis personne parce que là ça fait un petit peu trop et j'ai envie de m'en débarrasser aussi un petit peu quand même. Alors, j'attends qu'il me demande autre chose, c'est bon, il a envie de boire. Alors Fire, tu bois tranquillement. Voilà, je sors d'ici. Ah oui, en fait, la news concernant Bella. Oui, Bella va avoir sa propre chaîne. Elle va être ma voisine et on va bien s'amuser ensemble, j'espère. Ça va certes me demander beaucoup de travail, mais j'ai hâte. Vous savez, je viens d'un monde de poupées et d'histoires. Donc, pour moi, ce sera un petit peu simple, je trouve, de créer et de vous présenter un contenu encore plus différent. Alors là, c'est la nuit, je rentre à la maison parce que je pense que Fire doit dormir. Voilà, quand c'est la nuit, soyez sûr que vos pets ont envie de dormir. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas comme d'habitude de liker, commenter, partager et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Alors moi, je vais prendre un donut parce que là, j'ai faim. J'ai travaillé dur, j'ai fait beaucoup de trades. Donc je mérite bien quelque chose à manger. Ok, donc là, je vais voir Fire. Alors voilà les amis, comme je vous ai dit, n'oubliez pas de vous abonner et surtout liker cette vidéo, ça me motivera pour me soutenir aussi. Et je vous retrouve très vite pour d'autres aventures. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao! Allez, Fire, je te prends et nous on sort d'ici.
Parce que là, tu as vraiment besoin de grandir, toi.